Bon, ce message sera perçu plus tard. Donc, je commence à enseigner. Dis bonjour à Reine. Bonjour, Reine. Bonjour. Reine. Boubou. Boubou, viens. Viens là. Viens. Bon. Donc je vais vous donner le message comme il a été donné. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à un moment très délicat de votre vie, c'est-à-dire vous avez vos pouvoirs sont en train d'être activés, vous allez être couronné. Parce que vous avez traversé beaucoup de batailles spirituelles. Vous avez vaincu beaucoup de démons. Certains d'entre vous, on vous a même montré qui vous attaquait. Certains vous ont montré comment vous les avez tapés dans le rêve. Certains, vous avez beaucoup ramassé l'argent dans vos rêves ces derniers temps. Certains, vous êtes allés dans des salles où vous avez vu de l'argent, vous êtes pris, vous êtes sortis avec. J'ai dit bien sur TikTok hier, vous allez avoir beaucoup de gratte, la tête va beaucoup démanger. Donc c'est parce qu'il y a un couronnement qui arrive. Beaucoup d'entre vous, plus que jamais, votre spiritualité a un sens. Donc ça n'avait pas de sens avant. Je disais, ben voilà, je rêve de temps en temps. Donc, pendant cette période de couronnement, de victoire inévitable, vous ne devez pas vous relaxer, vous ne devez pas vous reposer. Vous devez beaucoup brûler les encens chez vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a parlé de laurier, coup de girofle, il y a les encens même, ces encens-là. Il y a la sauge. Ne blaguez pas avec la fessie. Boubou, allez Reine, Reine viens dire bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Ah, t'as t'aimé trop me lécher. Donc, bonjour, bonjour. Vous avez vaincu beaucoup de démons. Avant, vous étiez un peu négligent. Donc, il y a des périodes où vous faisiez, il y a des périodes où vous ne faisiez pas. Vous allez commencer à voir le rapprochement entre... on a commencé la formation spirituelle. Je vous parlais tout le temps de l'école de spiritualité qu'on va lancer. Donc, ça fait une semaine qu'on a commencé. Donc, s'il y a des gens qui sont encore... qui étaient en retard, vous pouvez rejoindre. Bon. Il y a beaucoup d'outils spirituels que j'ai demandé d'acheter. Merci, Vani Noucha. Eh oh, viens ici. Tu vas où? Tu vas où? Hein? Oh, dame, ha. Regardez là-bas. Tu partais où? Tu partais où? Donc, vous allez avoir beaucoup de... Vous allez commencer à avoir des rapports entre... ce que vous demandez avant de dormir et ce que vous voyez dans le rêve. Le vent va commencer à vous parler. L'eau va vous parler. Oh, bienvenue à toi, maître guérisseur, arnaqueur. Pourquoi vous ne créez pas une seule page? Les gens viennent vers vous. Parce que vous savez que vous êtes des arnaqueurs, que vous avez 50 pages. Ça n'a pas de sens. Anyway, continuons. Les herbes vont vous parler, vous allez être attiré vers le parc, vous allez vouloir partir au parc beaucoup. Quand vous arrivez là-bas, mettez les mains sur les arbres, vous allez parler avec les arbres. Vous allez être attiré par l'eau, vous allez vouloir partir au bord de l'eau énormément. Donc, je vous demande de beaucoup mettre de l'encens à la maison parce que ça va purifier l'atmosphère. Qui va attraper froid? Le chien ou moi? Eh, Jemina.
Une femme qui est née dans l'eau, tu dis qu'elle va attraper froid. Hein? Donc, quand vous serez conduit à faire cela, certains vous êtes en vacances, profitez de cette période de vacances pour faire ce travail spirituel. Parce que ça demande beaucoup de disponibilité. Et je pense aussi que ce n'est même pas le hasard que ce soit dans votre période de vacances que vous sentez cet éveil spirituel. Voilà. WhatsApp, c'est le 00237-680-711-0701. Donc, la sauge que vous allez brûler dans votre environnement, dans la maison, dans la voiture, si vous êtes dans votre bureau seul, brûlez la sauge là-bas, brûlez les encens. Ça va nettoyer l'atmosphère parce que il y a des flèches qui sont en train d'être envoyées vers vous et ça se propage avec les mauvaises idées, les mauvaises ondes. Donc, parfois, tu restes comme ça là, tu te sens étrangement négatif, pessimiste. Tu ne sais pas pourquoi, like. Mais tout allait bien. Pourquoi soudainement je veux les problèmes avec mon gars? Pourquoi je veux forcément faire les problèmes avec l'homme si aujourd'hui? Donc, c'est dans l'air en fait. C'est pour ça que vous devez purifier l'air. Cyril, ton nom même fait peur. Comment tu crois que qui va cliquer sur ton truc là? Ton nom même, seulement quand on voit ton nom là. Hey! Donc, ce que vous serez amené à faire, allez le faire. La deuxième chose que vous devez faire pendant ce couronnement, vous devez, vous devez acheter beaucoup d'objets spirituels. Il y a une dame qui m'a dit pendant la consultation hier que elle s'est levée un matin, elle avait des brûlures sur le visage. On a carrément fait, on a envoyé un masque spirituel. Et quelques temps plus tard, quelqu'un vient et il commence à lui parler mal des effigies de la Vierge Marie, de Jésus. Elle dit qu'elle a porté tout ça, elle a jeté. Parce que quand je la consultais, l'esprit me dit, dis-lui d'acheter des objets spirituels, mais elle remet dans sa maison. Il y a des choses que quand vous avez chez vous, quand ils vont entrer, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, seulement la présence de ces objets-là, ça va les chasser. Ça va les chasser. Vierge Marie, crucifix, Saint-Michel, tout ce que vous allez trouver, vous serez inspiré d'acheter. Donc, j'ai demandé de brûler beaucoup d'encens. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. Celui qui partage me dit, j'ai partagé. Allez-y. Dis-moi, j'ai partagé, je te fais une prière là. Ça, c'est une bonne idée. Merci, mon ange. Hello, angel. J'attends qui sera la première personne. Un reine. 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 Qui sera la première personne, reine? Reine. Tu regardes qui? Reine. 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 Ok, Crescence. Je viens te bénir. Je bénis ta journée. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Tu as les dons de vision. 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 Vision, vision, vision. Tu peux voir. Tu vois les business qu'ils vont donner. Tu vois même les choses sur les gens. Mais tu as peur de leur dire. Arrêtez. Almako. Voile spirituel, voile, voile sur ton visage, voile. Lave ton visage avec la noix de coco, tu mets un peu de jujube dedans. Mylène Charlotte.
Larissa la gloire. Bonjour Stéphanie, la reine Stéphanie. Sandrine Liboc. Je te vois confinée dans un bureau ou dans un environnement. Tu veux sortir de là, tu veux sortir pour t'exprimer dehors. Si tu as une idée de lancer un business, fais-le. Monsieur Innocent, merci pour le partage. Jean-Luc Adama. On a beaucoup attaqué ton physique, Jean-Luc Adama. Il faut que tu fasses jeûne, il faut jeûner, Jean-Luc. Tu demandes au Seigneur de... C'est comme si tu veux faire certaines choses, tu n'arrives pas. Et ce que tu ne veux pas faire, peut-être manger ou bien, je sais pas, masturbation, écouter des trucs qui ne sont pas bien. Tu te sens un peu tiraillé. Donc fais un jeûne. Pardon. Toukem Gepi. Je mets la bénédiction sur toi. J'ouvre tes yeux. Toukem Gepi. Tu as demandé beaucoup de choses. Tu as des questions que tu as posées. Tu veux savoir qui te dérange. Que le Seigneur te montre. Que tes anges te montrent. Boubou. On t'a dit. Regarde, tu me griffes. Tu sais ça. Tu veux parler au téléphone là-bas? Parle alors. Rudy Patrick. Est-ce que tu veux voyager, Rudy Patrick? Ta, 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 ta. Tu es quelqu'un de très discipliné, très objectif. Non, Boubou. Boubou. Qui tue mes pieds? Qui tue mes pieds, Bou? Oh. Bon, merci pour le partage. Bonjour, la reine Laure. La reine Laure, il faut asperger la cannelle. Souffle la cannelle dans ton business. Tu allumes la bougie pendant les 7 prochains jours. Non, non, non. Reine, reine, reine. Tu te mets là-bas au sol. Non, tu m'attends. Mais reine, tu arrêtes. Tu vas me faire tomber dans l'eau. Oh, mais là, toi, donc. Tu fais comme si je suis une gomme dans tes reins. C'est comment avec toi? Je veux pas jouer. Je veux pas jouer. Oh. Reine, regarde, tu vois ce que tu fais. Tu aimes trop jouer. Ouais. Venez prendre votre chienne ici, là. On y va, alors. Que tu veux rentrer à la maison. Je ne sais même pas de qui je parlais. Ouais, celle-là, tu as pas, tu as aspergé dessus dans ton magasin. Oui, Rudy Patrick, tu es très discipliné. Tu vois, dans les pays comme la Russie ou l'Allemagne, tu auras beaucoup de succès dans ces endroits-là. Je crois qu'à l'école aussi, tu vas continuer un peu plus. Ça va te donner beaucoup de succès. Ingénierie peut-être. Si tu as déjà arrêté, essaie de faire une formation. Bonjour Kiki, depuis Goma. Lily. Lily, tu as la lourdeur sur toi. Tu as beaucoup de lourdeur. Beaucoup de lourdeur. Est-ce que tu te laves avec du sel? Voilà mon numéro, non, 00237-680-711-0701. Mes consultations sont payantes. Moi, je... Oh, un crabe! Monsieur le crabe, pourquoi t'es parti? Ah, mais c'est pas juste. Oh, un gros trou comme ça. Monsieur le crabe. Oh là là, regardez-moi ça. Boubou, creuse là-bas, regarde, il y a un crabe là-dedans. Boubou, arrête. Tu veux seulement jouer, va là-bas dedans chercher le crabe. Il y a un joli crabe là-dedans, avec des... Ah, mais le voilà encore. Monsieur le crabe, bonjour, je suis chez toi. Ah, là, je vois ses pattes là, comme ça. Boubou, regarde. Attendez. Vous voyez ses pattes? Voilà sa patte là-bas. Voilà ça. Voilà sa patte. Ça. Oh, regarde, c'est trop chou. Regardez, je vais lancer un petit caillou, il va fuir. Ah, elle a disparu. La patte est partie. Oh, regarde. Je savais qu'il y avait des crabes jusqu'ici. Hein.
Mais c'est cool ça. Pays Joseph. On va faire de nouveaux kits pour le visa et kits pour les gens qui veulent se marier avec les blancs là. Oh là là, il y a de beaux crabes ici. Oh là 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 là. Ça, c'est un champ de crabes. Attendez, je vais vous montrer. C'est trop cool. Reine, viens ici. Il y a plein de crabes. Chaque fois qu'il y avait des crabes ici, comme ça, hein. Il y en a plein là. Ah, c'est cool. Là, il se cache comme ça cause des vibrations du sol. Ah bon, hein? Ah, quand on s'approche, oui. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui. Mais pour attraper, ça va être difficile, non? Comment on fait pour attraper? On les pêche? Comment? Ça dépend, fabriquer un coffre. Ok, c'est compliqué. Oui. 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 Oui, ça tombe. Ok. Mais merci. Bonne journée. Oui, je vois, il y en a plein ici. Il y a plein de crabes ici. Je crois que je vais faire une sauce gombo avec des crabes. Non, sauce légumes. Allez, Boubou, viens. Donc, pendant cette période spirituelle, une deuxième chose que vous allez faire, vous allez acheter vos produits, acheter vos kits. Ça, c'est le temps d'acheter vos kits. C'est très important. Parce que les kits que vous allez prendre. Non, arrête ça. Stop it. Put that down. Come here. Hey, arrête ça. Dépose. Dépose ça. Je te dis à toi. Allez, on y va. On va à la maison. Allez, arrête. Let's go. Comme ça. Non. Reine, tu viens comme ça, tu touches pas. Toi, t'es têtu, hein. Voilà. Allez, marche, on y va. Donc, vous devez prendre les kits. Il y a des kits qu'on fabrique actuellement. Il y a des kits mariage, et spécifiquement ceux qui veulent épouser les blancs. Il y a aussi des kits pour le voyage. Donc, ça, c'est ce que l'esprit m'a inspiré à fabriquer récemment. Donc, vous devez prendre vos kits dans cette période. Mettez, purifiez beaucoup votre maison. Achetez vos objets spirituels. Et si vous avez. Voilà, dormez aussi beaucoup. Dormez beaucoup. Parce que le travail va vraiment se passer pendant votre sommeil. Quoi d'autre? Mettez beaucoup les messages que je fais. Parce que tous les messages que je reçois, je les télécharge en ligne en fait. Je vous les donne. Il y en a aussi parmi vous. Vous allez être intensément tenté. Vous allez vouloir peut-être acheter des tarots. Vous connaissez le tarot, non? Le tarot. Le tarot, c'est les cartes qu'on lit là. Voilà, si vous êtes conduit à faire cela, achetez-les. Non, Lily, si tu ne te laves même pas avec le sel, tu ne connais pas comment te laver avec le sel là, vraiment, c'est chaud. Innocent, tu ne vas pas attendre qu'on te finance. Tu as compris? Tu vas pas attendre qu'on te finance. Aigle, est-ce que tu faisais partie des personnes qui devaient aller à l'offrande à l'eau? On va faire une offrande à l'eau tout à l'heure, donc dans environ 1 heure et demie. Sultan, si tu utilises le parfum en alia, ce n'est pas tout. Je vous ai dit, vous devez acheter beaucoup de produits spirituels. Parce que c'est un peu comme si vous étiez en train de vouloir accoucher. Donc, vous devez concentrer plus que jamais les choses. J'ai des personnes parfois qui viennent et me disent, ouais, j'ai seulement 20 000. Et le produit, peut-être, c'est 50 000. Elle avance 20 000. Le soir, elle me dit que voilà encore 20 000. Le lendemain, elle me dit, voilà encore 10 000. Donc, vous serez surpris de voir quand vous allez vous lancer pour vous allez prendre une initiative. La vitesse avec laquelle le reste de ce que vous attendiez va venir. Voilà. Reine, allez, viens ici. Tu étais où? Viens. Oh, cher. Oh, cher. Oh, cher.
Je quitte mes pieds. Je vais parler le bateau femme au chien ici. Oh, chien. Tchéchi. 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 Et c'est assise. Bon, si vous voulez des consultations, allez en. Vous faites un message privé, s'il vous plaît. Vous avez suivi. Je donnais juste des instructions générales. Et puis ceux qui savent qu'ils sont dans leur saison, vous allez savoir et puis vous allez prendre une consultation. Vraiment. J'éponge beaucoup de consultations actuellement. On est deux à faire les consultations. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Qu'on a hier par exemple. Aujourd'hui, après l'eau, on va encore faire beaucoup de consultations. Il y en a, peut-être vous venez savoir vos. Comment ça, vous l'avez fait de sel avant de venir en consultation? Vous voulez savoir votre élément. C'est quoi votre élément? Est-ce que ton élément, c'est l'air? Est-ce que c'est l'eau? Parfois, tu peux venir pour demander s'il y a un message que les ancêtres ont pour toi. Est-ce que tu peux aussi venir, tu demandes... ça dépend de l'énergie qui va... Les questions que tu vas poser avant de venir dans la consultation. Très important. Moi, généralement, quand ils me font... bonjour, mon ange. Bonjour. Donc, quand ils me mettent des personnes, j'ai parfois des amis spirituels qui vont me contacter, ils vont me dire, voilà, on me demande de te dire ceci, ceci ou cela. Donc, quand ça arrive, très souvent, je laisse l'esprit parler. Et 100% des cas, il va dire les choses que depuis 3-4 jours, je me posais comme question. C'est de ça qu'il va parler. Donc, quand vous venez généralement en consultation, ne venez pas avec genre, ouais, je veux que l'homme s'y m'épouse. Ouais, je veux que... Parce que la spiritualité, hein, si ton mariage est bloqué peut-être. Si ton mariage est bloqué, le problème généralement est spirituel et ancestral. Ce n'est pas que, pourquoi l'homme s'y est parti? Oh, je suis avec mon mari depuis 14 ans. Avec le père de mes enfants depuis 14 ans. Pourquoi il ne veut pas m'épouser? Peut-être qu'il y a un esprit en toi qui te bloque. Pour que toi-même, tu refuses le mariage là. Donc, ne venez pas avec... ce n'est pas l'autre personne qui est le problème. J'ai beaucoup de personnes en consultation qui disent tout que... non. Et moi, je vais vous dire ce que l'esprit dit. Le reste là, c'est pour vous. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que l'esprit va me dire, vous dit. Voilà. Donc, achetez ces objets-ci là. Vous allez voir que vous allez commencer votre travail vous-même. Les parfums Saint-Michel, toutes ces choses. Onalia, achetez tout ça. Il y a aussi les kits de déblocage. On a les kits de déblocage à Douala. Libreville, Abidjan. Bon, pour Abidjan, ceux d'Abidjan, je vais venir à Abidjan peut-être en début septembre. Je devais venir en fin août. Mais j'ai quelque chose du genre à faire au Cameroun. Donc, Abidjan, ce sera sûrement début septembre. Voilà. Donc, vous devez acheter vos produits. Les kits, par exemple, si depuis tu avais pensé acheter un kit. C'est la période où achète ton kit maintenant, tu commences à l'utiliser. Pendant la formation spirituelle hier, je leur montrais comment se connecter par exemple, comment faire certaines choses, quoi utiliser. Et ce matin, je me réveille, il y a une qui me dit, toute la nuit, sa grand-mère était dans son rêve. Elle était dans son rêve. Et j'ai bien dit, vous devez appeler, il y en a de vos ancêtres, vous devez les appeler. Voilà. Oui, l'huile de blindage aide beaucoup. La reine ou le roi est long et bonjour et amen. Amen pour ta prière. Quand vous allez contacter, on va donner les prix des kits, ok? Ça dépend des prix des kits. Il y a aussi les sels qu'on vend. Non, tu ne pars pas. Tu es cher. Tu es cher. Comment dis-moi, hein? Hé, t'as mis ça avec moi, hein? Oh, cher. Reine. Reine. Oh, cher. Tu
Tu peux ramasser le mbunga. Hein, Ren? Ren est parti ramasser le mbunga. Elle veut jouer. Ren, viens ici. C'est pas tout le monde qui veut jouer. Désolée, madame. Aïe. Tu cherches ton mbunga. Tu es parti déposer ça là-bas. Bon, moi, je vais partir. Ren! Enchaîne. Ren? Bye. Ren! Elle veut jouer. Ren, viens ici là. On ne dérange pas déjà. Il te dit quoi? La femme là ne te connaît pas. Tu passes elle pourquoi? Oh my god. Aïe aïe aïe. Vous écrivez, on va vous donner les prix de consultation et tout ça. Si tu es au Cameroun, la consultation c'est 33 800. Et ça c'est dans les 3, 4, 5, 6 jours qu'on va te consulter. Ceux qui veulent ça à l'immédiat, c'est un peu plus élevé. C'est-à-dire tu veux la consultation aujourd'hui. Il y a les lectures destinées. Ça c'est 100 000 francs, c'est-à-dire 150 euros. Donc c'est ça. Anissette Jolie, tu dois contacter nous au Cameroun. On va t'envoyer le kit là-bas. Tu as compris? Contacte nous au Cameroun. (Rire) 00237 680 71 0701.